parler maintenant d'une association menacée de poursuites judiciaires. C'est une association de protection des animaux. Elle s'appelle Nid d'accueil. Elle est située à Cussey-les-Forges. En fait, elle risque une amende de plusieurs milliers d'euros pour n'avoir pas enlevé un cheval qui était mort enlisé dans une rivière. On tente d'en savoir plus avec vous, Léa Guichou. Prévenue par les pompiers et par le maire de la commune, la préfecture a ordonné l'évacuation du cheval. Selon le code rural, c'est une obligation pour les propriétaires d'animaux. C'est ce que rappelle Fabienne Barthélémy. Elle est chef de service à la direction départementale de la protection des populations. Le propriétaire doit amener l'animal ou les restes des animaux en un endroit accessible au camion de l'écarisseur pour les remettre à l'écarisseur. C'est la seule solution qui soit autorisée par la loi et le fait de ne pas remettre un cadavre à l'écarissage est puni par des sanctions prévues, qui est une amende de 3 750 euros. La présidente de l'association a bien fait appel à un écarisseur, mais le corps de l'animal doit être remonté jusqu'à la route pour qu'il puisse intervenir. Or, le cheval est bloqué dans un marécage qui est difficile d'accès. Un agriculteur a voulu prêter main forte, mais son tracteur n'a pas pu passer. L'association a alors contacté les pompiers, qui ne sont pas intervenus. Les gendarmes ont fini par appeler la présidente, Elishka Kollar. Il m'a pas demandé pourquoi vous n'avez pas pu, ou comment ça se fait qu'il y a le cheval est toujours là, ou non. Il m'a dit, il faut sortir le cheval de là. Mais comment? Moi, je suis prête à y aller à la main. Tout le monde nous menace, nous dit, il faut. Mais alors, on nous donne pas de solution. Démunie, Elishka Kollar a écrit une pétition sur Internet pour tenter de se faire entendre par la préfecture. Un reportage signé Léa Guichou pour France Bleu Bourgogne.